Bonjour et bienvenue sur Game Dev Coder. Alors, je vais reprendre la version. Enfin, on a évolué, hein, j'ai évolué dans le développement du programme de l'éditeur. Là, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui, hein. En fait, aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est surtout de l'enregistrement d'un fichier en format TARCA, hein, format TGA, puisque dans le cadre de l'étude de cet éditeur, j'ai dû étudier, hein, tout simplement le format TARCA pour pouvoir créer cet éditeur et notamment la possibilité de charger directement une image TGA en 160 fois 200 pixels et de la retrouver directement sur votre écran avec une conversion au niveau de la palette de couleurs en palette Amstrad. Et ensuite, bien sûr, il va falloir retravailler un petit peu l'image puisque vous savez que sur Amstrad, on ne peut pas avoir plus que 16 couleurs, hein, tout simplement, hein. Sur l'écran, hein, c'est en mode 0, c'est 16 couleurs. Donc il va falloir supprimer des couleurs de la palette. Donc je vous montre un peu du coup ce que j'ai fait, hein. Donc du coup j'ai créé, donc bon, tout ça vous l'avez vu, hein, la création de la palette, les boutons, le viewer, la grille, les ascenseurs. Bon, tout ça vous avez vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est ces petits boutons que j'ai créés ici. Alors il y a un bouton pour gommer, un bouton pour faire l'export en assembleur. Et là, ce bouton-là, il n'est pas encore actif. Hein. Ça sera la possibilité d'indexer les couleurs, mais je ne sais pas si on va le garder puisque au chargement, hein, tout simplement d'une image qui est là, hein, notamment. Hein, de l'image qu'on a créée, hein, tout simplement, le SR, le Z Editor Screen. D'accord? Alors, donc, l'idée, hein, était de pouvoir créer un screen title. Alors, c'est quoi un screen title? Ben, c'est un affichage sur votre écran d'une page ou d'une image de présentation de votre jeu ou votre programme. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous le présente, c'est ça. Hein, vous voyez, en 14 couleurs. Voilà. Et ça donne sur l'écran Amstrad, hein, CPC. Donc j'ai repris, hein, l'image d'Octopussy, enfin d'Octopus, qui était un jeu à l'époque, ce qui fait par Konami. Non, je sais plus. Titan. Je crois que c'est Titan qui avait fait ce jeu. Bon, j'ai récupéré l'image sur Internet. Donc, je l'ai transféré, les converti en Targa, que j'ai ensuite basculé ou transféré dans l'éditeur. Bah, j'ai retravaillé un peu la palette en supprimant des couleurs qui étaient inutiles pour pas en avoir de trop. Et ensuite, j'ai créé mon OCR que j'ai inséré, hein, je vous montre, hein, ici, sur la disquette. Alors, voilà ce que ça va faire sur la disquette. Alors vous voyez, là, ici, vous allez me dire, ah, les couleurs ne sont pas bonnes. Bah oui, parce qu'il faut mettre les. Alors ici, entre ça et ça, bah, il y a une différence, on est d'accord. Donc il faut charger la palette de couleurs. Hop, la palette de quand je fais un catalogue, vous voyez. En revers. Alors, je vais y arriver. J'ai rajouté donc sur la disquette un fichier PAL.bat. Donc, on va le charger.
Bien sûr, il va m'embêter. Ah, clavier américain sur celui-là des émulateurs qui m'embêtent. Et je vais le lister. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai repris tous les encres et je les ai redéfinis. Et à la fin, je lance mon image. D'accord? Parce que bien évidemment, ici, vous voyez, la palette d'encre, elle a changé. N'avez pas fait attention. La palette d'encre, elle a changé quand on a chargé l'image. On n'avait pas cette palette-là. Puisque quand vous chargez donc une image en PGA, automatiquement maintenant, le programme va donc adapter l'image et reprendre toutes les couleurs de l'image en affichant que c'est les 16 premières couleurs. Ah, il y a l'évolution, hein. Donc si je lance maintenant le programme avec ben, les couleurs revues, ben, voilà ce que ça donne. Et là, on a bien la retranscription exacte de ce que nous avons ici en format 160 x 200. Bon, là, on sait que automatiquement, l'Amstrad va regrossir le trait, hein, tout simplement, pour le mettre sur l'écran. Hein. Voilà, donc, voilà où on en est. Bon, là, j'ai beaucoup évolué en programmation, notamment sur le programme, mais je peux pas tout vous montrer sur une seule et même vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est comment on passe de cette grille-là à un format Tonga, donc un fichier .tga, une image. Une image qu'on peut rouvrir, hein, voilà, dans n'importe quel programme de retouche d'image. Je vais ouvrir sur Paint, sur Panet. Vous pouvez retravailler donc du coup vous-même depuis votre logiciel d'image, hein, tout simplement. Hein, c'est ce que moi j'ai fait aussi, hein, puisque l'outil n'est pas encore finalisé, et puis il nous manque encore pas mal d'outils, hein, pour pouvoir réellement travailler l'image. Mais bon, un petit peu à la fois, hein. Voilà, donc là vous voyez, il a chargé donc l'image. Et puis vous pouvez retravailler vous-même, hein, l'image, hein. Vous pouvez vous-même le retravailler. Bon, des fois, vous avez comme là un pixel en rouge dans un coin, je n'en vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, c'est parce que quand j'ai supprimé des couleurs à droite à gauche, ben il y a des couleurs que j'ai laissées, des pixels qui sont restés, quoi. Bon, voilà. Donc là, ici, vous pouvez, si vous voulez, retravailler l'image, hein, remettre des couleurs et tout ça. Bon, je vais pas le faire, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo. L'enregistrer, comme on a vu la dernière fois, hein, sur les vidéos précédentes, hein, et le recharger dans l'éditeur. D'accord? Bon, alors, sinon, revenons au sujet d'aujourd'hui. Comment faisons-nous pour basculer d'une grille là, en une image TGA? Ça, cette grille-là, vous savez, hein, on l'a vu sa conception ensemble, c'est une représentation des index de couleurs, d'accord, qui sont dans une table. Donc on aura une table avec des 1 jusqu'à 15, un maximum, hein, des valeurs de 1 à 15. Et ensuite, chacune de ces petites boxes-là sont dessinées avec. Donc c'est un rectangle, hein, dessiné avec.
couleurs qui a été définie dans une table. Là, je vais vous la montrer, je vais vous montrer ça. Donc on a une table ici, vous voyez, on a créé donc un module CPC et dans lequel on a une table de référence de couleurs. D'accord? Donc chacune de ces petites boxes ici va se référencer à une des couleurs qui est ici, qui a été reconstituée hein, par rapport à ce que je vous avais expliqué dans une des vidéos précédentes. Hein, c'est que chaque pixel, les trois composantes qu'il a définies, le rouge, le vert, le bleu, l'alpha, ne peuvent prendre que trois états. Soit 0, donc il n'y a pas de couleur, par exemple le rouge, il n'y a pas de rouge. Soit il y a 50%, mettons, de la composante rouge, ou soit il y a 100% de la composante rouge. Ce qui permet de créer 27 couleurs en tout. Hein? D'accord? Donc pour pouvoir, nous, à partir de cette table de couleurs, rebasculer sur... parce qu'il va falloir retrouver ça. Hein? D'accord? Donc on a créé un fichier palette, ici, avec les 16 premières couleurs. De l'Amstrad. D'accord? Et ensuite, j'ai rajouté, pour des raisons de compatibilité au niveau de quand on va charger hein, tout simplement une image TGA, ben, il faut qu'il puisse également trouver ben, les autres couleurs. Hein? D'accord. Voilà. C'est-à-dire que quand on va charger une image, bon là, on n'est pas encore au chargement, on est juste à la création. Hein, comment on passe du tableau à... Voilà, mais sachez que le reste ici permet de pouvoir... éviter qu'on a des couleurs en moins quand on charge une image TGA. D'accord? Alors... Donc, comment ça va se passer? Donc, on voit ici, hein, pour créer l'image, on va cliquer sur le bouton Enregistrer. Donc, on va aller voir dans le bouton Enregistrer ou dans le module Enregistrer. Merde, j'étais déjà. C'est pas grave, j'y retourne. Dans le module du bouton, ce qui fait. Donc c'était le bouton sauver. Alors le bouton sauver. C'est pas le bouton sauver. Ouais. Enfin, c'est pas le bouton sauver au fait, hein. En fait, le bouton ici. Le bouton sauver. Lui, il va le BS pour bouton sauve, il va lancer une fonction qui s'appelle onsave.editor, qui est dans la librairie. Donc, on va plutôt aller voir celui-ci des fichiers. Le bouton sauve est lui un composant. Hein. Normalement, un composant, il doit être limité en termes de fonctionnalité. Il doit juste nous donner un bouton. Il doit nous donner s'il a été cliqué. Voilà. Après, il doit se dessiner, faire des effets de survol. C'est sa fonction. Hein, sa fonction principale, c'est ça, c'est de s'afficher, de faire des petits effets et de dire quand il a été cliqué. Hein. Bon, alors, on va sur le on save load on save ici bon
Donc on voit que quand on va sauvegarder, bon, l'indexation de la palette, ça, pas vous prendre la tête. Avec ça, on va la voir, on va le voir plus tard. Ouais, c'est pas le sujet du jour. Donc on sauvegarde, donc on va cliquer sur le bouton sauvegarde. Le programme va réindexer donc la palette. Il va vérifier que le nombre de couleurs soit bien inférieur à 17, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de 17, qu'il n'y a pas plus de 16 couleurs pour pouvoir créer le fichier OCR. Sinon, il ne crée pas le fichier OCR, ce qui est normal puisque sur un Amstrad, il ne peut pas y avoir plus que 16 couleurs. Je rappelle qu'on travaille en mode 0, hein. Parce qu'on est en mode 0, hein. Et ensuite, on va lancer une fonctionnalité, donc ToSave TGA, qui va donc charger le nom du fichier, le tableau, ben, notre tableau de voilà, notre grille, hein, qu'on veut basculer en format TGA, et sa palette de couleurs. Et sa palette de couleurs qui a été réindexée, hein. Mais bon, ça on verra plus tard, hein. OK, donc on va aller voir ce que fait du coup le fichier tofil TGA, enfin la fonctionnalité tofil TGA. Voilà. Fichier, vous voyez, pas si long que ça, mais il fait pas mal de choses que nous allons voir, hein. Alors, déjà, moi, je commence. C'est un seul fichier, vous voyez. Donc, on récupère ici donc le nom du fichier. Bah, la table. Arrow Data, donc les data, c'est la grille. Et ici, la palette de couleurs. Donc je commence par définir les tailles. Donc je dis que largeur, ça sera égal. Bon, ben, c'est le JS pour définir la taille de la dimension numéro 1, donc d'une ligne. Et JS Arrow Data pour avoir la hauteur, hein, tout simplement, du tableau. Donc on sait que nous avons 160 sur une ligne et 200 en hauteur, hein, 200 lignes en hauteur. 160 fois 200, donc pixels. Alors, vous pouvez voir qu'il y a au sein même de la fonction toFill TGA, on a une autre fonction qui permet de convertir des composantes rouge, vert, bleu, alpha en une suite de nombres. Voyez là le slash qui est ici, ça veut dire que c'est un chiffre. Hein? Donc on va reconvertir ce qu'on avait en 1, 0 et 0,5 à des composantes allant jusqu'à une intensité de 255. Les données ou les pixels d'un fichier TGA sont codés d'une façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres formats d'image. C'est que les composantes sont codées non pas en rouge, vert, bleu, alpha, ils sont codés en bleu, vert, rouge, alpha. Donc cette fonctionnalité non seulement va reprendre chacune des composantes pour les remettre soit en 0, 127, 255, mais va également retourner
le pixel, hein, je dirais, hein, dans un format BGRA. D'accord? Alors, ce sont des textes, avec, mais ce sont des nombres. Alors, ça, c'est pas évident à forcément comprendre. C'est-à-dire que lui, il va me mettre, non, il va me mettre le nombre 255. Hein. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut savoir qu'un fichier TGA, un target, a un header, une en-tête. Donc ça, vous pouvez sur Internet aller chercher header target, TARGA, et vous aurez ces explications-là. D'accord? Bon, là, je ne vais pas m'embêter, je dis ça, je ne vais pas vous expliquer chacune de ces lignes. Sachez juste que chacune de ces lignes ont une signification. D'accord? Notamment ici, on encode en 32 bits et également le 32 ici a une fonctionnalité. Si on met du 32, c'est qu'on est dans le sens normal. Si on met 0, c'est qu'on est dans le sens inversé verticalement. Bon. Même si moi, il m'inverse verticalement quand je vais dans un programme. Voilà, quand je prends un fichier qui vient d'une image TGA, il va me l'afficher inversé. Il faut que donc je pense à inverser l'image TGA verticalement pour ensuite l'importer dans le programme de l'éditeur. Et là, ça fonctionne. Il me le met dans le bon sens. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde tout simplement si je peux créer un fichier noté finam.tga. Une écriture W, B pour du binaire. Hein, donc nous allons faire un fichier binaire. Un fichier binaire, ça veut dire que ce n'est pas des A, des B, ça sera des chiffres. Hein, des 0, des 10, enfin des. Ça sera de l'hexadécimal. Hein, d'accord? Ça sera des valeurs hexadécimales ou binaires hein, qui seront inscrites dans le fichier. Alors, je commence par écrire dans le fichier, puisque s'il est ouvert, donc là ici c'est un contrôle pour voir s'il n'y a pas une erreur, plus de place sur le disque par exemple, donc du coup il ne met pas une erreur, mais il me sort hein, tout simplement, il ne me crée pas le fichier. Hein. D'accord? Alors ici, je file de point write, donc file, je vais utiliser donc une propriété de l'objet file, hein, puisqu'en Lua, ben, les objets, ben, ils ont, quand on a un petit deux points ici, c'est un objet file, et puis on a une propriété qui est la propriété write, et on va donc enregistrer directement le TGA header. C'est-à-dire que tous ces chiffres-là, vous voyez, il y a des slash, hein. Donc, on aura un fichier. Dans le fichier binaire, on aura donc 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hein, on peut le retrouver ça. Je vais vous le montrer. Hein. Ici. Voyez, on l'a ici. Bon, là vous avez donc le petit fichier, enfin le petit programme ici, le HX0, HXD64 pour 64 bits. Vous voyez, il ouvre en fichier binaire. Donc on n'a pas du texte là, hein. On a des valeurs hexadécimales. Vous voyez ici, on retrouve voilà, jusqu'à ici. Nos chiffres, hein, les 0, 0, 2, 0, 0, 0 en hexadécimal. Hein, donc les 20, 20 ici, c'est les 32, 32. D'accord? Donc on retrouve ce qu'on a ici jusqu'au 32, 32, qui est 32 en décimal, ça vaut 20 en hexadécimal. Hein. Merde, je me trompe. Voilà. Donc si je prends la calculatrice et que je tape 20 à 32,
Allez, fais-toi. Voilà. Donc, je tape 32 en hexadécimal, ça vaut bien 20. Hein, d'accord? Une fois donc que j'ai enregistré sur dans mon fichier l'entête, hein, donc là on est jusqu'ici, hein, jusqu'au 20-20, d'accord? On va commencer à enregistrer les datas en format. Alors, en format BGRA. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va parcourir notre tableau de données. Donc, pour chaque donnée qu'on a dans le tableau. D'accord? Donc là, mettons, on va récupérer la donnée en position 1, 1. Admettons que ce soit la valeur 1, puisque c'est un tableau d'index. Donc data sera égal à 1. On va du coup aller dans la palette à la position 1 pour récupérer la couleur qu'on a vue précédemment. Donc en format 1.0.0.1 ou 1.5, hein, enfin, comme vous avez vu dans là, hein, c'est valeur ici, hein, d'accord? Puisque je rappelle que la palette, voilà, reprend, hein, ce qu'on a sur la palette, on a le chiffre 1, ben, on va reprendre la composante CPC bleu. Et CPC bleu, ben ici, c'est 0, 0.5, 1. D'accord? Et puis, on va basculer dans notre fonction ici, tout BGRA, les composantes, hein, par la fonction unpack, qui permet de passer chaque composant que nous avons entre crochets, là, directement comme si c'était des paramètres, hein. Donc dans BGR1, j'aurai donc la couleur ici formée de nombres. Alors ça va être peut-être 0, 255, 255, 0, 1. Ou 255, 255, 255, 255. Hein. Et puis on va l'inscrire dans le fichier. Tac. Hein. Donc ici, c'est comme si qu'on venait d'inscrire ici 00 7F FFFF. D'accord. Et on tourne comme ça sur l'ensemble de toutes les couleurs qui sont dans notre tableau. Et donc, on va remplir notre image, un TGE comme ça. Alors, vous voyez qu'il n'est pas si petit que ça, hein. Voilà. Hop. Et on termine ici par 00FF. 1F 410. Octet, on va dire, hein. Un F410, un F412 octet. Alors, si je me pose, je vais pas regarder, mais. Alors. Un F412 en décimale. Voilà, 128 kilooctets. Bon. Et une fois qu'on a enregistré ben, tout ça, on vient donc fermer le fichier. Alors si pour une raison, il y a eu une erreur ici, le fichier ne peut pas se fermer, le fichier est corrompu. Hein. C'est pour ça que il est très important ici, donc capsuler tout simplement
toutes tes fonctionnalités propres à cette fonction. Voilà, on s'assure que on n'ira pas chercher une fonction ou quelque chose viendra perturber cette fonction-là, en fait, hein. On n'ira pas chercher un tout BGRA ailleurs que là, hein, puisqu'il est défini en son sein. Hein. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment on crée un fichier ETGA. Alors, documentation ici. Quand vous allez sur Internet, pouvez récupérer. Hop. Alors, je l'ai récupéré facilement. Hein. J'ai tapé Target Header et tombé sur ce fichier PDF. Hein. Donc, excusez-moi. Oh, PC est très rapide. Voilà, vous avez. Bon, c'est en anglais. Mais on comprend bien ce que fait. Voilà, il vous explique tout de A à Z. Hein. Comment créer un fichier TGA ou Target, hein, tout simplement. Alors, il vous explique sa conception. Bon, il y a plein d'éléments dedans hein, qu'on met pas, puisque la plupart des temps, des programmes n'en ont plus, enfin ne s'en servent plus. Hein. Voilà notre fichier header. Hein, donc le premier bit, identification de longueur. Donc s'il y a 0, ça veut dire que la longueur sera donc définie directement dans l'image. Donc ici, vous voyez, donc 0 indique que les données hein, tout simplement de couleur sont inclus avec l'image. Nos color maps enfin, ne sont pas inclus avec. Voilà. Le 1, c'est que c'est la palette au fait de couleur est inclus. Hein. Voilà. Nos images data donc inclus. Le 2 ici pour le bit 3 de l'header. Donc vous avez ces différentes valeurs. Donc nous on est sur une compressée. Hein. On n'a pas encore vu comment décompresser et compresser pour le moment. Donc on ne va pas pour l'instant faire d'image compressée. Par la suite, on va devoir le faire. Hein. On va devoir donc utiliser une compression. On verra voilà, peut-être une compression URLE, hein, puisque c'est ce que fait le TGA. Pour utiliser dans nos propres programmes en assembleur la compression. Bon, on verra, etc., etc. Donc, vous avez toutes les explications complètes et détaillées de ce qu'est le format TGA. Voilà. Je vais pas aller plus loin, hein, vous l'avez compris. Voilà. Donc voilà comment on fait l'enregistrement à partir d'une grille de couleurs indexées, un fichier TGA. Alors vous voyez là, le code n'est pas long, hein. Le code n'est pas très long. Hein. Voilà, donc moi j'ai terminé cette courte vidéo, je dirais. Je continue à avancer sur l'éditeur parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à des choses intéressantes. Et qu'on puisse retranscrire tout ça sur notre bon vieux CPC. Hein. Donc la prochaine vidéo,
Je vous expliquerai comment on charge une image TGA. D'accord? Parce que pour l'instant, l'éditeur n'est pas encore assez évolué pour réellement tout dessiner comme ça à la main. Bon, on peut, hein, on peut faire des retouches. Mais tout dessiner à la main comme ça, pixel par pixel, faut être costaud pour le faire, hein. Mais c'est possible, hein. Voilà. D'accord? Donc, une chose que je ne sais pas si vous avez fait attention, là, je vais relancer. Voyez la palette, comment elle est. Donc ça, c'est la palette de base de départ, hein. D'accord? Si je vais, mettons, charger mon image, hop, vous avez vu, il a réindexé la palette, c'est-à-dire qu'il a repris toutes les couleurs de l'image qu'il a remis ici. D'accord? Et il a adapté, bien sûr, l'image en conséquence. C'est-à-dire que non seulement il charge une image avec des couleurs qui ne sont pas... Enfin, au départ, ne sont pas forcément les couleurs qui sont là dans la palette de base. Donc, on va récupérer, et ça, je vous montrerai plus tard, hein, comment on fait. On va récupérer toutes les couleurs de l'image. D'accord? Toutes. Et on va reconstituer la palette. Et à chaque fois qu'on reconstitue la palette, on va venir modifier, hein, dans la grille, hein, l'index de la couleur en question. Admettons que j'avais une couleur numéro 28, hein, dans la grille, hein, j'ai une couleur, bon là j'ai arrêté à 26, hein, j'ai arrêté à 26. Là il y a affiché 16 couleurs, mais il y en a 27 au total, hein. Hein. Donc admettons que là j'ai une pixel couleur 26, je le charge. Mais je vais recompacter la palette pour que. Comment je vais dire ça? Admettons que l'image ici, elle a 14 couleurs, mais dans ces couleurs, il y a une couleur 28. Une couleur numéro 28, 26, allez, pour être cohérent. Ben, il faut que quand je la charge, la couleur 26, qui est, admettons, la 14e couleur, apparaissent ici. Voilà. Donc, il faut rechanger la couleur 26 par la couleur 16, enfin, par l'index 16, hein, dans la table. Bon, je vous expliquerai ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, du coup, vous allez vous embrouiller. Retenez aujourd'hui, donc, comment on crée à partir de la grille ici. Un fichier image TGA, puisque c'est le but de cette vidéo. D'accord? Bon, allez, donc moi j'ai terminé cette vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, mettez un petit pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos suivantes. La vidéo suivante, on va voir le cas inverse. Hein, comment on fait pour partir d'une image? Donc on part d'une image TGA. Alors mettons que je vais sur Google. Hein. Voilà, je vais mettre allez, screen title. Screen title CPC. Je vais vous montrer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il charge pas.
screen title, CPC, image. Je vais vous montrer hein, comment on fait. Hein. Et on va voir. Voilà, vous voyez ça? Vous la reconnaissez? On va prendre une autre. Allez, on va prendre Prince of Persia, mettons. Hein. C'est pour vous montrer. Donc, enregistrer l'image dessous. S'il veut bien. Allez, ah là là. Allez. Allez. Ah, PC est tellement lent que. Bon, voilà, c'est bien. Donc, on va le mettre. On va le mettre dans bah, ici. Voilà. Alors, c'est du JPEG, hein. Enregistré. On va aller chercher ici. Voilà. Je vais l'ouvrir dans n'importe quel éditeur de graphique. Donc moi je prends sur Panet. Pourquoi sur Panet? Ben, c'est celui-là que j'ai hein, qui est gratuit. Pas besoin de faire de frais. Hein, voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. Allez. Oh là là. Voilà, donc j'ai une image que je vais reconvertir en. Alors, je vais mettre redimensionner. En format Amstrad, hein, CPC, hein, mode 0. J'espère que ça ne va pas planter, puisque là, je vois que le PC commence à ralentir. C'est pour ça que je ne peux pas faire de direct, hein, de streaming en direct. Voilà. Là, je mets, donc ça va être du format 160. Sur 200. OK. Ah, donc là, c'est le format Amstrad mode 0 CPC 160 pixels sur 200 pixels en hauteur. Je vais faire image. Comme je vous l'ai dit, je suis obligé de l'inverser. D'accord? Et maintenant, je vais l'enregistrer en format Target. Je viens chercher donc dans la liste des différents fichiers de sortie le TGA. Je mets bien, on l'a vu dans l'header, 32 bits, 4 composants rouge, vert, bleu, alpha de 8 bits chacun, 4 x 8, 32.
On n'est pas en mode compressé. On verra le mode compressé plus tard. Pour l'instant, on ne le fait pas. Et on enregistre. Alors, on l'enregistre en l'envers, hein. Le décalage, on a fait un flip vertical, hein. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, je ferme pour récupérer un peu de mémoire. Donc ici, j'ai mon image qui est ici, en format PGA, que je vais donc copier. Ici. Coller ici, que je vais renommer donc lui je vais mettre comme ça pour dire de l'effacer, renommer là. Donc là, c'est comme si que j'avais créé moi-même via mon éditeur ici l'image, hein, que je vais venir charger. Alors regardez la palette. OK. Boom. Donc là, il vient de charger l'intégralité de mon image. Mais vous voyez, 25 pixels. 25 couleurs. Or, je ne peux pas être supérieur à 16. Donc, je suis obligé de revoir dans ma palette les couleurs que je peux éventuellement supprimer pour rendre quelque chose d'un peu plus joli. Donc, pour ça, j'ai mon petit bouton ici, gomme, qui permet d'effacer l'intégralité d'une couleur. Alors, je peux déjà effacer l'intégralité de cette couleur noire là, qui est peut-être pas du noir. Hop. Voyez? De 25, je suis passé à 24. Dans toute mon image, il a supprimé la couleur noire par la couleur qui est là, par la couleur bleue. Hein? Sachant que ça sera toujours cette couleur-là pour l'instant. Ensuite, je suis en train de voir pour qu'on puisse sélectionner une couleur de la palette. Et quand on va cliquer, donc ici, quand la gomme elle est activée comme elle est ici en magenta, hein, d'accord? Quand on clique, ben on va supprimer par la couleur indiquée. D'accord? Donc là, bon, j'ai supprimé le noir. Bon, ça ne me donne pas plus d'informations. Hein, donc je suis à 24 couleurs, donc il faut que je puisse encore en supprimer. Bon. On voit qu'il y a une composante qui sort beaucoup, c'est le rouge. Bon. Alors, admettons que je supprime la couleur bleu clair là ici. Hop. Ouais. La couleur bleue ici, je la supprime aussi. Ouais, 22. Bon, ça change pas énormément mon image, ce qui est nickel, hein. Donc je vais enregistrer, hein. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut souvent faire. Alors, vous n'allez pas pouvoir enregistrer en OCR, mais vous enregistrez quand même votre image en TGA. Hein? Alors, vous voyez que quand j'ai enregistré, la palette elle a changé ici, puisque j'ai supprimé trois couleurs, donc elle a réindexé la palette avec les couleurs qui restent dans l'image. Donc là, ici, si je supprime le rose ici,
Hop. Ok, donc vous voyez la couleur qui est là, si j'enregistre, comme j'ai fait disparaître le rose, ben, elle devrait disparaître. Floum, oui. Voilà. Donc 21. Alors, on voit pas la couleur vert qui ressort beaucoup ici, à part dans le fond ici. Il y a plusieurs couleurs vertes. Alors je vais essayer de supprimer celle-là. Ouais, bon. Bon, le rouge aussi, hein, le rouge. Peut-être celle-ci. Ouais, 19. Voilà, couleur bleue comme ça, on va la mettre en bleu machin. Voilà, c'est déjà fait. Voilà, donc il y a plusieurs tons de vert, vous voyez. Donc, allez, on va supprimer un ton de vert, on va voir ce que ça va donner. Hop, si je supprime celui-là. Hop, 17, plus qu'une à supprimer. Allez, on va supprimer celui-là pour l'exemple. Le rouge, alors attendez, je vais l'enregistrer. Encore deux composants de vert à peu près identiques. Bon, je vais supprimer celui-là parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal de celui-là, mais. Voilà. Et là, vous voyez, nickel, je suis arrivé à mes 16. Mes 16 couleurs de palette. Donc, quand j'enregistre ce coup-ci, bah, lui vient me créer mon OCR. Il vient me créer mon fichier, mon OCR ici. Voilà. Alors, on va y Enfin, on va essayer. Bon, la palette, elle sera pas bonne, hein. Vous voyez bien que la palette qui est ici ne sera pas la palette de l'autre image, hein. Alors, on va le faire, on va essayer, on va voir ce que ça va donner, hein. Allez, on va aller ouvrir le disque. On va supprimer donc le fichier binaire. On va venir donc remplacer par le nouveau fichier binaire, hein. Merde, il est en dessous. Et je sauvegarde. Voilà. Là, je ferme. On va regarder ce que ça donne. Bon, les couleurs vont pas être jolies, hein, ce qui est peu logique, hein, hein, puisque on avait cette image-là, qu'on a supprimé pas mal de couleurs pour la descendre à 16 pixels, enfin à 16 pixels, à 16 couleurs. Et de plus est, on va la charger sur l'Amstrad, mais sans sa palette. Hein. Allez, on y va. Voilà ce que ça donne sans sa palette. D'accord? Bon.
Sans sa palette de couleurs, ça donne ça. Bon. Heureusement, notre outil, et c'est là-dessus que je travaille, donc là, je possède également ici la possibilité d'exporter la palette en format ASM. Donc si je clique dessus, il me fait l'export de la palette en un fichier ici palette ASM. Voilà. Et donc ici, on retrouve en version firmware et en version hardware les palettes. Donc si on veut. Ah, je ne sais pas si je le fais pour vous le montrer. Hein. Allez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer. Alors, je vais rouvrir dans le simulateur la disquette. Donc là, lui va. Alors, je vais revalider la palette ici. Je vais revenir ici pour voir les différentes couleurs de palette. Voilà. Non, c'est pas lui que je voulais. C'est le simulateur ici. Non, c'est pas lui. Ici. Oui. Voilà. Lui, il lance pas directement le fichier BAT parce que j'ai pas défini de point d'entrée. Mais c'est pas grave. Donc, je vais faire load. Ah oui, alors, attendez. D'abord, je vais faire un catalogue. Log. Vous voyez que j'ai un fichier load et un fichier PAL point BAT. Donc, je vais faire load. Ça va être compliqué vu que ça va être très long. L O A D. Voilà. J'ai appuyé sur entrée là. Oui. Allô, allô, allô. Bon, bien sûr, quand je suis pas en stream, ça marche. Hein. Parce que derrière, j'ai mon programme qui stream, qui bouffe beaucoup. Alors moi j'ai passé en mode 2, je fais toujours ça pour avoir plus de lisibilité. Je vais faire une liste. Alors, L-I-S-T. Merde, j'ai pas mis la palette. Load, PAL. Liste. C'est la palette qu'on veut changer. Liste. Je vais trouver tout simplement. Voilà. Donc, il faut modifier ces palettes. Donc, Edit 1. Le 1, il ne change pas. Alors, le 1, c'est le 1. Le 2, c'est le 18, 14, 6, 1A, 02. Ben, c'est la même chose. 10, B, 5. 7, F, 13, 19. A et B. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors attendez, je vais supprimer. Quelque chose que je ne comprends pas pourquoi c'est la même palette. Ça ne devrait pas être la même palette. Alors, je vais recharger mon image. Serait étonnant que ce soit la même palette, c'est pas possible.
Enregistrer, oui. Et je vais créer. Voilà. Voilà. Ah, elle me le crée pas. Bon, d'accord. Ah, bah oui, non, mais c'est normal, c'est bête. Je suis en train de le développer. Donc, du coup, le bouton là, il n'est pas utilisé. J'ai appuyé sur F1. Ah, voilà. Donc, c'est des tests, hein, parce que je suis arrivé là à SM Palette. Hein, donc, j'ai créé la fonctionnalité, mais je ne l'ai pas encore implémentée avec le bouton. Donc, pour créer, je vais appuyer sur F1. Voilà, là, il va créer la palette. Normalement. F1, crée-moi la palette. Je sais pas s'il le fait pas parce qu'il est très lent. Hop, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Alors, je suis. Ah bah oui, mais non. Eh bah oui. J'ai 10 abdides. Allez. On va y arriver. N'inquiétez pas. Pas en cours de développement. Donc ça aussi, on va pouvoir le fermer. On va pouvoir relancer du coup. Je vais recharger du coup mon image ici. Et pour que vous voyez bien, allez, ici. Ici, F1, maintenant, on va créer ma palette. Voyez, fichier palette, il est arrivé. Voilà. Donc, je dois maintenant remodifier donc le 1. Alors, c'est pas 10, je vois pas bien. Je vais agrandir. Si je peux. Allez, zoom, s'il vous plaît. Pour le vieux pépé que je suis. Ah si, c'est 18. C'est bien ça. Alors, bah, il faut retranscrire tout ça dans le fichier des palettes. Hein. Bon, là, on le fait en basique. Hein. Plus tard, on a vu. Hein. De toute façon, on a déjà vu comment le faire en assembleur. Hein. Donc, on y va. Allez, on va le faire. Oh putain. Serait bien si je pourrais le faire comme ça. Donc ça, c'est le 1. C'est bon. 1, 18. Là, c'est 6. Merde, je sais plus ce que j'ai fait. Le 4. Ah, c'est bon. 5. 8. Allez, putain. Il répond plus. Le 7, 0, E. C'est bon. Le 7, c'est bon. Le 8, 10, c'est bon. Bon, je ne sais plus où j'en suis, je vais refaire une liste.
Alors, on affiche. Alors, on reprend. 1, 18, 6. 1, 18, 6. 1, oh, 8. 2, 10. Je ne vois pas si c'est un 0B ou un 0,8. Je crois que c'est B. Donc 10B. 5. Alors là, il y a une inversion par contre. 5, 3, 7. Ans 0D, c'est ça? Zéro des OF. Ouais, je vais me tromper quelque part, moi. Donc 15. Me trompe quelque part. 15, 19. Alors, on reprend, j'ai dû me tromper. Alors, et bébé, la souris part dans tous les sens. Alors, bon, déjà, ça sera déjà mieux au niveau de l'affichage, mais je me suis trompé. Alors, 1, 18, 6. Ouais, j'ai mis 2 fois 6 là. Ah. Ah. Tout décalé. Bon. Bon, on va laisser comme ça, je vais pas tout décaler, hein. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe, c'est de mettre toutes les couleurs qui ont été donc définies dans la faction Hardward pour basique, hein, donc ici, et ensuite on fait un rune. Voilà. Ça, on le reverra. J'arrive à mettre mon N. Voilà. Et là, il va recharger l'image, mais avec la palette. Bon, vous voyez qu'il est déjà un petit peu mieux. Ça scintille plus de toutes les couleurs. Mais comme la couleur, on a tout décalé on a fait un décalage au niveau des couleurs. Bon, on n'a pas la bonne, le bon, les bonnes couleurs, quoi, on va dire, hein. Bon, ça m'embête quand même, hein. Allez, on va essayer de faire. Ah, putain. C'est compliqué hein, pour moi parce que le PC il est ralenti. Là il répond plus, j'attends. Allô, allô? Oui. Là, il m'émet des caractères un peu bizarres. Allez. Vais essayer de faire quand même. Vous voyez l'image telle qu'on l'a là, hein. Le but, c'est ça, hein, c'est qu'on re-représente ça. On doit avoir la même chose. Hein. Voilà, allez, hop, on va essayer de gagner un peu de vitesse là-dessus et là-dessus. Alors, lol. Allez. Bon, 1, 18, 14. Ah oui, puis j'avais pas enregistré. Ah, d'accord, merde. Bon, alors, on recommence. Donc, 1, 18, 6. Oh.
08. Est où mon curseur? Ouais, il est là. 08. Zéro B. Je sais pas si c'est un B ou un 8. Berlou. Zéro cinq. Zéro trois. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Connerie. Alors, j'étais 13, donc 14. D 12 13 F donc 13 voilà, 15 15 15 et le 16 19. Piste. Donc ça va. Voilà. Bah, j'oublie pas de sauvegarder ce coup-ci. Hein. Je vais également mettre à jour la disquette physique. Et je vais relancer Rune. Pas là. Bon, là, je devrais avoir l'image. Voilà. Ça, c'est la représentation. C'est ce qu'on avait que je relance ici. Alors, c'est pas aussi joli que tout Poupsy, hein. Et c'est ce qu'on avait ici. Non, c'est la même image. Alors, vous avez vu comment on peut créer simplement à partir de l'éditeur et d'une image en TGA. Bon, après, on peut retoucher hein, l'image. Hein, si on veut rajouter des pixels, on rajoute. Hein, on supprime. Hein, d'accord? Donc, on a vu comment vous pouvez, à partir de l'éditeur, dans la version qui va arriver là, hein, puisque c'est en cours de développement, transmettre une image en TGA, la retoucher, supprimer des couleurs pour arriver à la barre des 16 couleurs ou moins, hein, si on peut faire moins, on fait moins, hein, tout en conservant une image correcte.
Vous avez vu comment, donc, du coup, on pré-enregistrait un fichier en OCR. Vous avez vu comment le basculer sur la disquette, comment modifier l'encre des palettes en basique et charger l'image en mémoire à l'adresse C0000. D'accord? Et ensuite, on fait un goto pour tourner en boucle. Voilà ce que vous avez. Bon, vous voyez? Et ça, grâce à l'éditeur. Donc, avec cet éditeur, je pense qu'on arrivera à faire des grandes choses. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. À ce coup-ci, je ne vais pas aller plus loin. La prochaine fois, comme je vous ai dit, je vous montre comment faire les enregistrements au fichier TGA. Enfin, pour enregistrement, on l'a vu, mais le chargement de l'image TGA, hein, d'accord, pour faire l'opération inverse. Hein. On a vu de passer de la grille à un TGA. Maintenant, on va voir comment aller relire le fichier TGA pour le rebasculer donc dans la grille. Alors, un petit pouce, des petits abonnements, des petits commentaires, partagez la vidéo, c'est tout ce que je vous demande, tout est gratuit. Allez, passez une bonne journée et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Au revoir.